Kidnapping de trois étudiants depuis une semaine à Goma. Le comité des étudiants du Nord Kivu a rencontré ce lundi le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Consta, qui promet de tout mettre en œuvre pour retrouver ces jeunes. Il faut également souligner que ces frotteurs de troubles exigeraient la somme de 50 000 $ pour leur libération. Jaël Zawadi est président des étudiants de cette région au micro de Patrick Sialoua. Nous avons parlé de la situation insécuritaire, entre autres, du kidnapping récent de trois jeunes au niveau de ces centres. Il nous a expliqué les opérations qu'ils sont en train d'entreprendre pour résoudre ces problèmes et nous a montré clairement comment tout ce qu'ils peuvent faire s'est fait de manière assez discrète pour maximiser les chances de retrouver nos camarades en vie. Nous espérons qu'ils vont trouver une solution parce qu'après tout ce qui a été exprimé, en tout cas nous espérons très fermement que la solution sera trouvée. J'ai là un message aux étudiants, les appeler à rester calmes, à continuer à se renseigner pour qu'on puisse retrouver nos amis.